Gisèle, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Bon, impeccable. Cette semaine, on est sur un coup publicitaire, c'est ça? Un coup de pub. Un coup de pub. On change un petit peu de domaine, allez, cette fois-ci. Donc on a relevé cette fois-ci une décision de l'OMPI du 15 octobre 2007 qui, comme vous l'avez annoncé, porte sur le nom de domaine culturepub.fr. Donc c'est une émission en fait qui était diffusée largement sur M6 et que beaucoup, je pense, connaissent, en tout cas en souvenir, qui traitait de l'actualité marketing et des publicités en France comme à l'étranger. Alors en fait, la société qui produit cette émission de télé, qui s'appelle CBTV, a pour projet de diffuser cette émission de télé sur Internet. C'est ce qui peut paraître paradoxal, mais Internet sert à communiquer. C'est aussi un peu ce qui se passe, de plus en plus de télé vont finir par avoir aussi leur mode de diffusion via Internet. Comme c'est déjà le cas pour les radios. Absolument. Au pay-per-view, on peut payer, etc. Ce qui permet de regarder cette émission, non pas à 23h comme c'était le cas, mais quand on veut dans la journée, et ce qui est relativement pratique. Moi j'aime beaucoup cette émission. C'était bien, ouais. C'est pas mal. Là je l'ai vu il n'y a pas longtemps. À la télé? Sur les câbles. Sur les câbles. Voilà, donc du coup, pour mettre en place ce projet, enfin à l'occasion de la mise en place de ce projet, la société de production a voulu réserver normalement culturepub.fr s'agissant en plus d'une émission française et s'est aperçu que ce nom de domaine avait déjà été réservé par une société allemande qui s'appelle, que vous ne connaissez pas je pense par contre, KLTE, mais qui apparemment est très connue pour faire des réservations de noms de domaine comprenant des marques connues. D'accord, et de cyber-squatting, typo-squatting... A priori, oui. La société de production envoie une lettre de mise en demeure qui n'est pas suivie de réponse, il fallait apparemment s'y attendre, et donc dépose une plainte devant la MPI. Alors, l'argument soulevé par la société de production sont relativement faciles, encore une fois, dans la mesure où cette marque, on peut le considérer, est relativement notoire, en tout cas en France, et elle fait état de ses droits antérieurs, de la marque notoire, de cette marque notoire, en disant qu'il y avait une moyenne à peu près de 1,9 million d'auditeurs chaque semaine, ce qui était chaque fois que la décision, que l'émission a été diffusée, en tout cas. Et elle a pris le soin de faire une recherche parmi les décisions de l'OMPI, ce qui peut permettre, dans des faits, de rajouter encore des éléments à son argumentation. Et ça n'a pas été vain, puisqu'elle a relevé que la société KLTE réservait régulièrement des noms de domaine. Et d'ailleurs, 1215 noms de domaine ont été bloqués en juillet 2005. Voilà, exactement. Donc ça, voilà, ça laisse prétendre en fait qu'il y a des manœuvres frauduleuses derrière. Alors l'AFNIC, c'est l'association française qui gère l'extension du .fr pour la France et RE pour le territoire d'outre-mer, etc. Exactement. Alors, bien entendu, pas de réponse du défendeur. Décision de l'OMPI. Simple. Elle est favorable au demandeur et elle leur donne le transfert. Alors, il reprend effectivement les arguments exposés par le demandeur, c'est-à-dire les droits antérieurs, la notoriété de la marque, etc. Il retient également que le défendeur n'a pas pris soin, en fait, avant de procéder à sa réservation, à des simples vérifications comme l'AFNIC l'encourage. Surtout, compte tenu de la notoriété, on peut difficilement imaginer qu'il n'était pas au courant des droits antérieurs potentiels, en tout cas, de sa société de production. En tout cas, qu'il y avait des droits qui portaient sur cette dénomination. Il retient également le fait que la société titulaire de ce nom de domaine soit tout à fait coutumière de ce genre de réservation et retient son argument, cet argument-là. En revanche, pour procéder, pour justifier son transfert, elle dit que seule la violation du droit antérieur suffit à obtenir et à justifier ce transfert. Ce qui nous paraît en fait un petit peu léger, on aurait bien aimé en fait qu'elle développe un peu plus sur la réservation de mauvaise foi, comme elle vient de le faire effectivement, mais aussi sur l'usage de mauvaise foi en fait. Elle avait tous les arguments pour le faire. Et ça nous paraît un petit peu léger en ce sens-là. Bon, maintenant, on peut bien comprendre que c'était pas nécessaire de fouiller plus dans la mesure où ça paraissait, voilà, effectivement évident. Ce qui est important de retenir pour quelqu'un qui a un projet ou pour quelqu'un qui a une marque qui est connue sur le public,
Apparemment, on peut se douter que ce genre de société en fait, surveille l'activité de marques notoires, les fusions, les acquisitions, les événements particuliers et fait des réservations d'opportunités parce qu'ils savent que ça va générer un trafic important sur le nom de domaine et le site internet et qu'ils vont pouvoir en tirer un intérêt financier important. Nous, ce qu'on on voudrait juste sensibiliser les gens sur le fait de, avant de divulguer, de communiquer des projets, prendre ses précautions avant. Pour éviter ce genre de procéder d'abord à la réservation, rester très discret sur ces projets. Ne pas en parler, en disant que je vais faire quelque chose, en donnant des indices, c'est ça en fait, sur ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des gens qui pourraient, surtout dans des domaines d'activité tels que les médias, la télévision, où les oreilles sont grandes ouvertes et savent que les moyens existent pour que ces projets-là puissent aboutir. C'est sûr que c'est pas, je veux dire, un projet. De l'épicier du coin qui va faire vraiment, faire des envieux ou qui les gens voudraient essayer de copier. Non, c'est surtout des gens qui peuvent susciter un intérêt parce qu'ils ont les moyens de faire aboutir leur projet. En fait. Et générer forcément beaucoup de trafic sur le site internet, ce qui est l'intérêt. Pas la notoriété en fait de ce qu'il y a. Mais effectivement, même les PME-PMI, beaucoup de PME-PMI ont pu démarrer avec, sur des projets qui au départ étaient des simples. C'était des copains qui s'étaient un peu réunis, qui avaient parlé d'un tel truc. Et ils se sont retrouvés avec le nom copié ou pris par une personne. Et là, malheureusement, ils vont se retrouver complètement tributaires de l'autre parce qu'il y a antériorité, etc. Et ils sont obligés de racheter, dans ces cas-là, le nom de domaine. C'est ça. Bon, donc en fait, le nom de domaine, rassurez-moi, il a bien été transféré correctement à Culture Pub et on va pouvoir suivre ses émissions en ligne bientôt. C'est déjà le cas, je crois. Voilà. Exactement. Bon, parfait, très bien. Bon, autre chose à rajouter sur ce dossier-là, rien de particulier. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci.